m'a dit qu'il y avait beaucoup de contaminés, beaucoup de gens malades ici sur Genève, donc je me suis équipé. Hein. Mais c'est pas grave, c'est que des Vaudois qui sont malades. Ah ben voilà. Mais il y a le Toubib, il est dangereux le Toubib. Ouais, il va arriver. Oui, je le vois, il arrive. Ah. Bah moi j'étais à Crotay avant, à Lens, Crotay. Ah, t'as fait un tour? Ouais, ouais. Je partais à Cadie et puis bah Serge justement. Ah, sont, à Crotay, ils allaient. Il a pas vu venir. Il n'a pas vu. Non, mais il n'y aurait pas. Il ne fallait pas. Salut Max. T'as pu lui dire non? Ben moi j'y ai dit. Ouais. Parti, Tout doucement. Elle en repart très vite pour rattraper le cœur. Tout doucement. Elle en s'arrête ensuite en gare de Botan pour attendre l'express de Boulan qui doit passer dans 35 ans. Tout doucement. Toutes les vaches du pays roman regardaient le train en rigolant. Tout doucement. Les petits veaux disaient maman, regarde voir l'air bête qu'ils ont là-dedans. Tout doucement. Ma bourgeoise me croyait mort depuis longtemps. Tout doucement. Et ensuite, elle s'était remariée et avait eu 9 enfants. La salope. Tout doucement. Après une enquête organisée par le gouvernement. Tout doucement. On a su pourquoi le train était resté en plan. Tout doucement. Le mécanicien pris de vin avait mis à rebours les briquettes dans le four. Tout doucement. Tout doucement. Bravo, vous êtes très bon. Bravo. La voiture, Jean-Claude, elle se soit arrêtée puis ça marche plus.